Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plantes versus Zombies, donc Garden Warfare 2, donc nous allons continuer la suite de l'histoire. Car là on avait parlé à DavBot, qui est ceci, ici. Déjà je vais voir ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Ok. Ok, c'est juste des trucs pour ja... attendez. Bon, ils m'ont demandé un petit questionnaire, donc bon, j'ai répondu, c'est bon. Donc, là, nous allons du coup aller parler à DavBot. Donc, c'est parti. Utilisez ça numéro 2, numéro 32. Bonjour, vous avez l'air en pleine forme. Choisissez chaussures au plan secret. Le temps de montrer de maîtriser la compétence de, en particulier la capacité à vider le sable des chaussures. Dave le Dingo a caché son plan génial pour convaincre le docteur Zombos à l'intérieur de ses chaussures. Mais il a mouillé ses chaussures. Il les a mises à sécher sur les pentes du volcan de l'île au squelette ou bien mauvaise décision. Les zombies ont volé ses chaussures et nous devons maintenant les récupérer. Reprendre un air occupé. Ok. Donc, Dave le dingo, il a mouillé ses chaussures où il avait un plan contre le docteur Zombos. Et il les a mis au volcan pour les faire refroidir, si j'ai bien compris. Invoquez des ennemis en mode Ops en solo. Sélectionnez un personnage que vous avez déverrouillé. Basculez d'un personnage à l'autre en clin d'œil pour convaincre vos ennemis. Donc maintenant au sol, ça va permettre une soigne. Ensuite, je vais mettre un petit maïs. Et ensuite, je mets un cactus. On va aller faire planter le jardin. Et comme vous installez une autre ligne de défense végétale. Ok, pour ça vous allez cultiver le plan. Pour l'instant, aucune trace de zombies. Et des chaussures. Bon. Là. Et voilà. Ah. C'est pas fini. J'arrive pas là. Ok. Parfait. Oh non. Les héros à zéro. Ok. La parfaite. Oh, on peut changer de personnage. Oh non, non, je crois que c'est en tant que... Qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi, on va tester le cactus? Le mec, il tue dans le cul les amis, les amis. Oula! Allez! Ok. Ok, parfait. Ok.
C'est bon. Ok. On va tester voilà, sa capacité. Oh, c'est intéressant, c'est un peu comme un mortier sur sa carte. Ah non. Ok. Donc tous des cheveux. J'en ai un peu mettre des noix. On va mettre quelques mini patates. Attendez. Ok. Oh voilà quoi. Miner le garçon tu as. Ok, je pense que c'est ça. Ouh. Ah mais c'est quoi, c'est lui qu'on a. Iiii. Non. Oh, j'ai une ligne là. Ok, on va finir avec 4. Non, 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 avec 4. Ça va faire beaucoup de dégâts au jardin. Chaussures. Chaussures. J'ai pas vu ce qu'il y avait écrit, mais on a récupéré les chaussures. Allez, fais attention. Ouais, ça, j'ai le niveau 2. On a terminé. Bon sang de bonsoir. J'ai réussi. Sinon d'ici, n'oubliez pas les chaussures. Oh. Donc là, on a. On vient de finir le. Là. Ok. Fond de jardin. Les plantes d'un côté, les zombies de l'autre. Et aucun des deux camps ne parvient à prendre le dessus sur l'autre. Une impasse épique. Bon, voilà. On a récupéré les chaussures. Maintenant, on va repartir parler à Dave 3000. Là. Dave 3000 vous accueille à bras ouverts avec un grand sourire programmé. Le drapeau de puissance. Le plan secret caché dans les chaussures de Dave est complètement dingo. Fabriquer un drapeau de puissance inimaginable avec son vieux pantalon. Ce drapeau pourrait décupler la puissance d'armée entière et leur offrir un avantage décisif. Parmi nos nombreux agents, ce que nous avons sélectionné pour tester le drapeau. Dave le dingo veut évaluer la puissance du drapeau. Ici le drapeau au centre du camp, du champ, Dave 3000 analysera les données à bonne distance. C'est parti. Drapeau de puissance. Bam. Ouvrez ma caisse de renforcement. Nous sa pièce de rapport. Lever le drapeau inachevé. Drapeau de puissance. Le drapeau de puissance vous rend puissant. Si vous ne défendez pas le drapeau, il sera descendu et vous perdrez. Brisez les caisses de renfort et l'IA vous viendra en aide. Drapeau de puissance inimaginable activation.
En grande puissance imaginable, il faut les arrêter. Oula, oui, on est très fort. C'est beaucoup trop de dégâts là. Ok, qu'est-ce qu'il y a en fort? Oh, parfait. Ok. Oula, mais je rêve, là je viens de mettre par exemple à 150. Enfin, à 105 de dégâts. Ouais, regardez, 79 là, en coup critique. Zombie standard. Ok. Les zombies pirates, vous les achevez. C'est ce qu'on va voir. Mettre en surfateux. Oh, il a donné des pièces. On va chercher les pièces. Donne plein de pièces ce qu'on un truc sur eux. Ah, il y avait une caisse, non? Okay. On élimine juste les pirates. Ok, quête terminée, récompense de 1500. Oh, c'est pas dur. Donc là, j'ai 188 000 pièces. Rejoignez les zombies, de nombreuses quêtes vous attendent. On peut rejoindre les zombies. I want you for the army. J'ai d'armes. Oh ouais. Ok, du coup, on va être zombies, faire des quêtes. Mais pour l'instant, je pense qu'on va continuer les quêtes lentes. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Viou. Bonne journée ou bonne soirée.